Du coup, la vidéo s'est coupée et on va me dire, et je disais qu'on va me dire que oh, c'est trop facile, éclaircir les courgettes, tout le monde sait faire. J'ai dit, mais oui, mais moi j'ai quand même envie de faire une vidéo. Pour la petite histoire, je viens de vous filmer tout ce que je voulais faire de la vidéo et que je me suis rendu compte que j'avais pas filmé. Et voilà. Tintintin! Donc, bah, vous allez rester là. Je disais que là, j'ai l'impression d'avoir un petit plantule, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les cotylédons, donc c'est pas la courgette. Et on va repartir sur la dégâts. Hop, on va partir là-bas. Donc là j'ai mon poireau en graines qui est là-bas qui va bientôt faire que je récolte. Là on a du coup de la courgette. Là on a des patates qui sont juste derrière. Puis, enfin là on les voit là d'ailleurs. Et là il y en a un peu plus loin là-bas. Et j'ai mon artichaut qui est là-bas aussi. Si vous voyez cette vidéo, vous la verrez peut-être un jour en retard normalement. Donc demain, mardi. Et là il y a des oignons et il faut que je les rentre. Parce que je les ai récoltés de... J'ai retourné... Oh là. J'ai retourné une zone là juste là-bas derrière les courgettes et du coup je les ai récoltés de là. Du coup, je disais que je suis assez déçu de mes graines de courgettes rondes de Nice et de courges musquées butternut. Tout simplement parce que quand je les ai achetées, les graines, elles étaient dans un état mais pitoyable. Là, c'est, je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça dans ma petite jardinerie, mais c'est, ils avaient acheté ça, oui. Il faudrait que je vous retrouve les paquets et je vous les montrerai la prochaine fois. Parce que les graines, en fait, elles étaient, je vous les montrerai aussi. En fait, elles étaient ouvertes. Moisi à certains endroits, enfin certaines, la plupart même d'ailleurs, ou toutes rikiki, toutes molles. Donc voilà, je suis vraiment pas content du tout, du tout, du tout de ces graines. Parce que comme on voit, hein, je pensais avoir de la courgette ronde de Nice, j'en ai pas une seule. Je pensais avoir du butternut, j'en ai pas un seul. Donc ça m'a un petit peu agacé, ça, franchement, je trouve ça un peu limite, surtout que j'ai dû les payer cher en plus ces graines-là. Donc voilà. J'avais acheté ça, je crois, au mois de février, un truc comme ça, ou un peu avant. Donc, bon, ça m'agace un peu beaucoup. Voilà. Donc, si la marque m'entend, franchement, hein, vérifiez vos graines. Parce que là, faudrait peut-être pas abuser non plus. Voilà. Sinon, je disais que là, j'ai la salade et puis les blettes. Ça, je vous ai dû voir, en fait. Donc, là, j'avais de l'oignon blanc. Et il m'en reste un là, petit. Et puis après, il y en a qui m'ont pu. Donc, c'est pareil, je sais pas où ils sont passés. Donc, disons, ah non, il y en a un autre bout là. C'est un autre bout. Non, ça en est un rendu. C'est cool. Voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour votre vidéo. Et puis, je vous réserve un petit invité que vous aimez plutôt bien. Que j'espère qu'il va enfin réussir à venir. Parce qu'il n'est pas spécialement capable de venir, quoi. Mais yes. Voilà. Je finis juste sur ces plans de aubergine. Que je vais vous baisser, voilà un plant d'aubergine là et un plant de piment juste là-bas. Et d'ailleurs, on va d'ailleurs finir sur les fruits parce que moi je vous dis à bientôt pour une. Enfin, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires, tout le tralala. Et moi je vous dis salutations, à bientôt pour votre vidéo. Bye bye.